Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est là pour chasser un animal infecté. Alors je sais qu'il y en a énormément qui ont galéré du coup déjà pour le défi où il y avait les poules à chasser et du coup là on a un animal carrément qui est infecté, donc c'est encore deux fois pire parce qu'il faut trouver un animal qui a un parasite sur la tête et ça pour en trouver je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, moi j'ai des emplacements du coup pour vous les faire trouver assez simples. Donc on va essayer d'aller voir ça directement en jeu. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique. Voilà, B-O-K-U-N-I. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes géniaux. N'oubliez pas également qu'on a 3 Bernard à faire gagner, du coup 3 sacs à dos Bernard sur notre Discord. Donc n'hésitez pas à aller directement dans le Discord qui est dans la description les gars. Vous allez donc dans l'onglet après Giveaway 4 et il suffira d'être abonné à la chaîne d'Exo Trapper. Et donc tout est dans les liens, tout est dans la description, tout est sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à participer pour essayer de gagner un des sacs à dos Bernard. Et voilà les gars, on est directement en jeu donc encore une fois pour essayer de trouver un animal infecté. Alors, il y a plusieurs endroits que je vous conseille. Moi personnellement, vous avez vu donc la dernière vidéo où je vous avais dit trouver un poulet. Et ben moi je vous conseille vraiment la zone de Weeping Wood. À chaque fois il y a énormément d'animaux potentiellement infectés. Donc ici généralement on a toujours 3 loups, ok. Ici on arrive là, on a forcément un phacochère. Ici on a très souvent des poulets, ok. Et là du coup on a aussi des meutes de loups, ok. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un endroit qui est sympa, c'est juste ici, ok. Donc ici, normalement, vous avez 3 loups, donc ça peut être potentiellement infecté. Et ici, on a généralement des loups aussi et du coup un phacochère. Alors, donc voilà, vraiment, moi, je vous conseille d'atterrir ici sur le pont et de faire le chemin petit à petit sur Weeping Wood. Vous allez forcément trouver un animal infecté sur la route, c'est quasi sûr. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vous montre du coup cet endroit, cette map là de du coup ici. Et vous allez voir qu'en fait tous les animaux sont indiqués sur la carte, ok. Donc là voilà, vraiment vous avez des phacochères, vous avez des loups, des machins, vous avez tout, tout est indiqué sur cette carte là. Donc vous allez pouvoir trouver énormément du coup d'indications pour éventuellement avoir des animaux infectés. Mais voilà, sachez-le qu'il y a une très forte probabilité que vous n'en trouvez pas directement. C'est quand même un défi vraiment basé sur l'aléatoire. Moi personnellement je suis allé sur du coup Weeping Wood. Et on peut voir qu'il y a du coup des parasites ici. Et on peut voir du coup qu'il y a un poulet parasité. Voilà, on peut voir qu'il y a un poulet parasité. Je vais le buter. Alors moi j'ai déjà validé le défi juste auparavant. Du coup je l'ai validé donc sur un loup qui était juste ici. Je vais juste vous repasser l'extrait parce que je parlais pas en fait. Et du coup c'est pour ça que pour le défi c'était pas ouf. Mais voilà, je vous passe l'extrait maintenant. Et voilà, du coup on va tuer le poulet. Hop, attention du coup à pas vous faire parasiter, ou même si vous faites parasiter c'est pas très très grave. Mais voilà, va falloir tuer du coup l'animal. Alors attention à ne pas tuer le parasite qu'il y a sur l'animal avant de tuer l'animal. Vraiment il faut tuer l'animal parasité, d'accord. Parce que si vous tuez le parasite et que vous tuez l'animal après, bah c'est comme si vous avez tué un poulet normal en fait. Donc moi, si vous avez de la chance et que vous avez tombé, vous êtes tombé sur des œufs exactement comme moi, cassez l'œuf, faites sortir le parasite qui va reparasiter le poulet et ainsi de suite jusqu'à ce que vous puissiez du coup tuer l'animal parasité, d'accord. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous les gars. Et sur ce, moi je vous dis ciao bye bye, c'était Ekar, portez-vous bien et puis c'est tout.